La terre est comme une mère. Elle nous nourrit, elle nous protège. Les sols à l'origine des aliments. C'est sous ce thème que s'est tenue la 9e édition de la commémoration de la Journée mondiale des sols ce 5 décembre 2022 au ministère de l'Agriculture. Cette journée se veut un cadre d'échange et de réflexion sur la gestion durable des sols afin d'assurer un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures. Le sol est une ressource essentielle à la vie sur Terre dont l'importance dans la vie de l'homme n'est plus à démontrer. Cependant, les sols sont de plus en plus menacés de nos jours par divers facteurs liés à l'intervention de l'homme et au changement climatique. La dégradation des sols se traduit par la réduction ou l'élimination de leurs fonctions agricoles et de leur aptitude à soutenir donc des services écosystémiques qui sont essentiels au bien-être des populations. Les réflexions de cette journée devraient donc permettre de sensibiliser davantage les acteurs sur les bonnes pratiques de gestion durable des sols et d'encourager le gouvernement, les organisations, les communautés, les individus du monde entier à s'engager pour améliorer de manière proactive la santé des sols. Cette commémoration a connu la participation de plusieurs acteurs et partenaires, parmi lesquels l'Institut panafricain pour le développement Afrique de l'Ouest et Sahel, IPDAOS, une université des sciences appliquées du développement qui fait la promotion de l'agriculture à travers sa filière agriculture et innovation technologique AIT. L'université a marqué sa présence avec l'exposition de l'Artemisia Bio et des résultats de recherche des étudiants. Nous, les étudiants de l'IPDAOS, on avait notre stand ici où on a présenté quelques activités que les étudiants font exactement. Donc les résultats des recherches des étudiants qui ont été présentés sous forme de poster. Donc ici on a le résultat des tomates qui ont fait l'expérimentation qui ont été faite au sein de l'IPDA aussi. Donc cette expérimentation a été faite à base des matériaux qui sont vraiment bio. On a fiande de volaille, tout ça, c'est ça, pour que les gens, le producteur arrive à utiliser les produits bio, afin qu'on puisse vivre en santé parfaite. J'aimerais qu'on fasse un bon honneur pour ceux qui pensent que le sol est important pour l'existence de l'homme.